ずるし者。外れし者。外れし者。外れし者。外れし者。外れし者。
しいもの。外れし者。外れし者。外れし者。外れし者。外れし者。
を外れし者。宿命を外れし者。宿命を外れし者。宿命を外れし者。宿命を外れし者。宿命を外れし者。
心者。T'as le son là. Faut diminuer. Faut diminuer un peu le son. Et le, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici le Joker en compagnie de Mark Master. Salut, salut la team. On nous entend, non? Salut Yannick, c'est comment? Yashiro, salut. Salut Diver. Ouais les gars, bienvenue, 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 merci encore hein, d'être connecté. Vous connaissez l'actualité du jour, on va aller un petit clash, journée 3. Aujourd'hui on commence avec la poule C, avec ce premier match vraiment très très chaud qui aura lieu tout à l'heure. Comment tu vas, ça va ou quoi? Ouais. Donc on aura pour le premier match Legacy Team versus Team 9. Un match qui promet, hein, ça c'est un match à qualification. En fait. Ouais, bien sûr. Malheur au vaincu. Ouais, ouais, ouais. Malheur au vaincu. Celui qui perd ça est fait. Celui, s'ils font match nul, ils sont faits. Ça va, ça va, ça va, ça doit finir dans le sang. Mr. Dix, ah, salut. S'ils font match nul, mathématiquement, les deux équipes, aucune des deux équipes n'est éliminée. Il faut bien se positionner. Voilà, non, si pour espérer. S'ils font match nul, ils ont combien? S'ils font match nul, les gars, c'est qui m'a éliminé, hein? 4 5 ouais, ils font, s'ils font maintenir le gars, c'est team éliminé. S'ils font nul, voilà, faut, ah, s'ils font nul là, le gars c'est éliminé. C'est l'autre qui ont ceux qui 5 là peuvent, c'est, voilà, voilà, espérer, sinon le gars c'est fait. Donc, good luck aux frères algériens et marocains. Lui il n'a pas de. Il est neutre en fait. Ouais, ouais, il supporte tout le monde, c'est important. Un match en jeu, un match au sommet, un match très 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 tendu entre deux équipes. Mm. On ne savait pas que ça allait être aussi chaud que ça. Et puis le deuxième match. Voilà, le deuxième match, on aura Suicide Squad versus Leishmania. Leishmania. Donc mon équipe. Leishmania a encore un enjeu, hein. Ils sont encore en course pour pas sortir. Pour pas sortir. Comme... Des privilégiés, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Parce que la saison prochaine, il y aura une étape qualificative. Et les trois dernières équipes de cette compétition-là... Leishmania n'est plus en course, j'ai envie de dire. Non, ils sont plus en course. Mais s'ils font partie des trois dernières équipes, ils vont être shootés même. Ah, mais je pense que c'est déjà fait parce qu'ils ont 0 point. Ils ont 0 point. Mais le truc, en fait, c'est que s'ils gagnent aujourd'hui ou s'ils font match nul, ils peuvent passer devant d'autres équipes. Comme qui? Quand tu regardes les trois poules, là, regarde les points.
De la poule A, c'est fini. C'est fini. La poule A, ils ont un point, un point, un point. Oui, mais s'il est, ils prennent un point. Ah, ok, mais je comprends ce que tu as dit. Tu vois. Donc, il y a un enjeu, non. En fait. Bon, oui, c'est vrai. Il y a un enjeu. C'est vrai qu'ils peuvent, voilà, ils jouent quand même le maintien. Voilà, les maintiens, exactement. On va dire ça comme ça parce que il y a d'autres équipes qui aspirent à participer à l'événement. Donc, il y aura un championnat, une étape qualificative, on va dire ça comme exactement. Ça, pour empêcher quelques-unes de ces équipes-là. Et donc, les trois dernières équipes de cette compétition, malheureusement, vont être, d'après mon confrère Jouquet, je lui emprunte le mot relégué de la compétition. Donc c'est chaud, il y a quand même un enjeu. Ouais. Il faut assurer le maintien. C'est chaud face à quand on voit que Sissi Squad aussi a besoin de points champions. Quand on voit que Sissi Squad a besoin de points aussi. En tout cas, c'est pas bon. Voilà, c'est pas beau. C'est pas tout beau. Est gâté. Tous les matchs de l'Ovalium Team Clash sont des matchs en jeu. Yeah. Aucun match n'est à négliger. Il y a rien qui est pris. Voilà. Donc, voilà un peu pour le match du jour. Là, on va revenir sur la première rencontre. Exactement. J'ai envie de dire, c'est gâté. Avant, les vieux palais étaient à terre, c'est gâté. Hein. C'est Jensen même. Départ et d'autres, c'est Jensen même. Allez là. C'est les deux équipes là, il y a une équipe qui a l'Empice, il y a une équipe Kabou qui va continuer. Il n'y a pas envie de demander les pronostics. Parce que quel que soit le perdant, ça fait toujours un pincement au cœur de voir une équipe devoir voilà, s'arrêter dans la compétition. Ouais. Mais c'est carrément deux équipes qui peuvent prétendre facilement au titre, hein, voilà, à la victoire finale. Parce qu'on a une très bonne équipe de Legacy, on a une excellente équipe aussi de Team 9. Donc c'est... Je parle comme ça en même temps, je suis triste pour les deux équipes, je sais pas pourquoi. Bon, je pense que c'est le moment de balancer voilà. Les line-up quand même. On va le voir. Le good line-up là. Oi, oi, oi. Hein? Legacy versus Zagul. Zagul. Il a demandé Zagul, il a eu Zagul. Kinko. Kinko versus Yitirbek. Yitirbek. Et Daxworth qui fait son retour. Le retour de Daxworth me rappelle bizarrement la France en 2002. Ex-Dan qui était blessé lors de ses deux premiers matchs, mais quelle arrivée ils ont pris l'eau même. Ah. Est-ce que. Non, mais effectivement, tu vois, quand tu toi façon et tu viens, tu n'es pas en forme, ça fait un moment que tu as laissé le jeu. Bon. Il y a tous ces paramètres là. Est-ce exactement. Que c'est un retour bénéfique? On va le voir tout à l'heure, mais il faut savoir que la Team 9 a utilisé le premier ban. Voilà. Parmi Team les 9. Deux, quelqu'un dispose de la Team 9. Donc, ils ont décidé mais la Team, de toute façon, Legacy Team n'a pas de choix, ils n'ont plus de ban. Ouais, ils n'ont plus de ban. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ils ont décidé de ban Bison. Ils ont décidé de ban Bison. Bison de Kinko. Donc Kinko va devoir jouer. Peut-être qu'ils ont vu que le gars il n'est pas si voilà que ça. Donc ils ont décidé de ban Darkseid. On sait qu'il a commencé quand même avec Ken. Voilà, il a atteint le rang de Grand Master Ken. Donc on s'est dit quand même que même si ça fait un moment, il y a des réflexes qui peuvent revenir. Ouais, donc ouais, on avait intérêt à toucher lui là. Mais Kiko le gars on a vu dernièrement Carriage Kick là. On a fait un point de vue. C'est à ça que ça ressemble. Voilà. On va voir s'ils ont raison. Donc on va voir s'ils ont raison. Donc les deux équipes sont déjà calées, c'est bien ça. Les deux équipes sont déjà calées. On va Legacy versus Zagou. On va chercher à les inviter. Legacy versus Zagou. Legacy commence toujours. Hein. En tout cas, les quelques fois que j'ai vu, il aime débuter. Un bon Kabi. Mais... Alors, les gars, petit pronostic là.
On voit le match de la dernière fois, du samedi passé, entre Kingo et Lordok. C'était quoi ça? Ah, pardon! Yo Arespada, c'est comment? Ok, Legacy a déjà rejoint. Ça commence bien. Il ne reste plus que Zagloul, notre ami Zagloul. Bah! Pendant le game, il ne m'avait pas laissé mauvais. Hein. Il jouait pas mal. Voilà, il est deux. Les deux sont dans le salon. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Zagloul et son ami Yitribek, ils n'ont pas de deuxième personnage. Pourquoi ils ne mentionnent pas? C'est important de mentionner. Hein. Ah, si eux ils sont ban, ça va chauffer. Ouais, mais dans ce match, mais ils ne peuvent pas subir de ban. Sinon. Ouais, pour ce si, match, si. On parle de. Sinon, ouais. Imagine les gars se retrouvent en demi-finale par exemple avec. Ou en quart de finale avec une équipe qui peut utiliser. Est-ce que cette équipe va se faire prier? Ouais, ça va être chaud. Donc là, on y va. On y va pour le premier match de la journée, le premier set de la journée. Premier set. Hein. Legacy versus Zagloul. Et il y a Fadi qui nous rejoint sur le stream. Salut, salut Fadi. Stream. Il est là dans le chat. D'Arespada. Ça va ou quoi? On vous rappelle que Fadi est l'un des soutiens inconditionnés de le Volume Team Clash 2022, pour le mentionner. Grâce à tous ces sponsors-là que nous sommes là aujourd'hui pour commenter cette compétition. Ah, on est fiers, hein, on est fiers. On a vu quand même de belles choses depuis le début de la compétition. Oui, j'ai oui. vu que nous sommes à 66% de. Voilà, de matchs joués. Lui, il a toujours en Super Saiyan Zagloul. Ouais, lui, dès Super qu'il Saiyan, arrive, là, Super Saiyan. Cactus Yaz, merci pour le follow. Marc, t'as changé ta voix. Ma voix a changé avant. Ah, non, il parle doucement. Là, pour l'instant, il est. Ouais, vois, pour l'instant, il suit. Il est pas encore bien dans le truc. Quand il sera bien dans le truc, tu vas bien entendre. Est-ce qu'il va t'y-bag encore, c'est Zagloul? Voilà. On voit que Legacy le cherchait. Hein. Allez, c'est... un tireur. Une chasse. C'est bien. Petite collision de la laser là. Comment? Bravo! Dans son vote! Je pense qu'il check comme ça pour éviter le GP de. Oh, ce petit saut. Ah, il insistait. Il insistait sur le saut, c'est passé. Bon petit combo là, bon petit dégât là. Ah, oh, là, bien joué de la part de Zagou. Ouh, attention, ça peut mal finir. Okay, allez, je vais bien sale. Ah là, très, ah là là, bien joué Paris et puis juste derrière. Il y a Nouriou qui est là. Nouriou, salut. Il y a Star Wars également qui est là. Ah, salut, pour cette troisième journée, ça commence bien. Chaud, Lucas. Il y a tout le monde qui est là avec nous. Allez. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de Vega marocain. Reviens vendredi. Oh, joli. Ah, Zagloul est en train de lui servir quelque chose. Hein. Ouais. Va te allez, chasser encore. Sale. Et le pif. Oula, le premier pif de Zagou. Allez. Allez, crush counter. Anticipation du V chiffre. Allez. Bien joué là. Ah là là, aïe là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça le space. Ok. Ah, il a tenté un reset. Est-ce que c'était une bonne idée? Je me le demande moi aussi. Hey! Bien joué! Allez, attention là! Pas chop, bien gardé! Allez, Chou, bien sûr! Très, très, très bien joué!
Oui, c'est le show marimé, exactement. Ouais, Souriou, salut. Ah ouais. Le premier de la compétition. On imagine qu'il y aura bien d'autres shows. Le Maghreb en action. Ouais, toutes ces équipes qui prétendent à la première place de leur groupe là. Et Maghreb met son show dans cette compétition. Le Maghreb en action. Round 1. Allez. Fight. 1-2-3. Allez. Bam. Allez. Shoryuken. Oh, comme direct. Ça. Ça se match. Joli. Attention là. Ah, il veut pas. Allez, joli. Oh, il a raté ça. C'est pas vrai. Il reste beaucoup de dégâts là. Bien joué là. Ah, ça c'est facile. On tire fastoche là. Allez, bien joué les gars. C'est cher payé pour un saut. Et il est là. Jimmy. Ah, aujourd'hui, notre ami les gars, s'il a décidé de laisser tous les dégâts sur la table, je comprends pas pourquoi. Et il a mené 1-0 lors de ce set. Il n'est d'autre que le premier. Et allez. Le Tipeee qui est sorti. Peut-être que bon petit gars là. Ah, on le repousse là. Il est très courageux à utiliser autant ce V skill là. Oh là là. Oh la Earth là. La Earth box le. Il utilise bien la fireball de Dead. Si on l'a. Parce que le premier temps annule le fireball. Bien joué. Chimie bas moyen de Ken, pourquoi pas. Classique. On le tue avec le classique, le bas moyen de Ken. Ah merci Nouyou. Anti-air fastoche. Allez, anti-air là. Allez. On rappelle les gars s'il est mené hein. Ouais il est mené, bas de mat pour Zablou. Attention. Pas d'anti-air. Oh. Allez. Il a donné un gros chimien. Allez, pour l'instant. Les gars s'il est bien dans ce match. Allez. Tout sur la plexus. Oh là là. Attention. Sexy Nini. Et ça permet à Legacy et à la team Legacy Team de revenir, de recoller au score lors de ce premier set. Un partout, pas de match le 2. De côté, ça va pencher. La demande de mourir. Ah merci gars, merci. Ah ça merci à Swada, merci, ça fait plaisir. Allez. Ouais Swada, salut. Pas boule à zéro, ok. Il a tout égazé. Il te dit même mais là, c'est pas bon. Allez, le reversage. Ça permet à Zaglou d'être devant. Aïe, dans son vol. Attends, c'est le skill. Ah oui, c'est là, il... Attention. Oh c'est plus ça. Travaille au poids corps. Attention. Et les gars, c'est qu'à sa distance. Il va tomber le nom. Non. Oh. Les gars, ça gratte là. Bien, hein. Il le contient bien là. Oh. Et le Gwende qui est passé. Allez, sous la petite. Aïe aïe. Putain, et ça va faire mal les dégâts. Oh. Non. Attention là. Non. Ah là là. Magnifique. Et les gars, si. Allez. Ils sont pas sympa. Attention. Bien joué là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un bon timing de saut hein. Tentative de chimie qui passe pas. Ouh la chope, c'était trop loin. Zaglou n'a pas encore dit son dernier mot hein, les gars. Zaglou n'a pas encore dit son dernier mot, il est là. Il est passé à l'attaque un Zaglou. Attention là. Ouh il a raté l'entier. Et ça peut faire mal, ça peut faire mal là. Yeah, il a fait le shift dans le corner qui n'est pas puni. Je te dis. Ah là là. La chope qui passe. Oh, j'ai dit Daxford encore. Legacy qui a fait travail quoi encore là sur la plexus, attention.
aïe aïe aïe. Attention là, Legacy. Ah. Non, mais... Il doit se vouloir. Il a sauté au bon moment, mais... Oh, oh. Il est mort. Merci. Magnifique, pas joué. On est dans ça ici. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Et le premier point comme ça qui repart... Du côté du Maroc, alors qu'ils étaient... Ils étaient menés 0. Les mecs... Ah là là. Waouh, waouh, waouh. On a eu un très beau premier match. Un très premier match. Et puis le tac. Le tac. Oh là là. Il est sérieux là, ils les sont, ils sont dans le chat là. Ah là là, c'est chaud. Il est sérieux là, les gars. Bien joué. Et le deuxième match, c'est qui? Kiko. Ouais. Mais Kiko. Ouais, Kiko versus... Kiko versus Yitribek. Yitribek. Je demande bien d'où ça vient. Yitribek. Allez, expulsez-moi ce Legacy du salon. Donc, les line-up, s'il vous plaît. Zagoul qui perd. Ah, là, c'est chaud, hein, les gars. Je pense que... Kinko il est avec attends, je vais essayer d'inviter Kinko, voir. Il veut utiliser un joker. Qui ça? J'ai l'impression qu'il veut utiliser un joker. Atima Legacy. Il veut utiliser un joker. C'est possible. Ah là d'accord, ouais, c'est possible. Parce que c'est celui qui suit le ban qui doit entrer en lice. Voilà, donc s'il veut utiliser un joker, c'est maintenant. Ouais. C'est qu'il a... Il a... C'est qui? Bison et Gaï. Et il a... Il a une demi de poche. Qui ça? Kinko. C'était un très beau set. La fin aussi était très belle. Ah, les gars sont chauds, hein. Il y a Mamipo qui m'écrit là même en inbox. Il dit c'est moi Yitribek, invite-moi. Ah les gars sont... Il peut aller vite. Il dit invite-moi, c'est moi. Ah, ils là sont fâchés, Zagoul. Les gars sont fâchés, Zagoul vient de perdre, c'est pas beau. Ils vont se... Ah ouais, c'est un duel pas possible. Entre l'Algérie et le Maroc. Ouais. Voilà. Legacy, il a bien géré. Hein. Ouais, arrête pas d'être. Très beau premier set. Très beau premier set. Legacy a très très bien géré. Oh, il a mis chanceux lui-même. T'as vu quand il a sauté là? Si, si. Je pense que Kinko il joue. Il est avec Legacy, non? Oui. Il est avec, il est chez lui, non? Non, il dit d'inviter Kinko. Il dit d'inviter Kinko. Sors, invite Kinko. Fais-le sortir du salon avant. J'ai pas Kinko ici, faut sortir du salon. Non, oui, t'inquiète. Ok. Pam, pam. Voilà, on dit que... C'est pas ça, non? C'est pas ça. Je pense qu'il y a bar avant bar arrière. Ah, d'accord. Tirer avant. Tirer Kinko. Tirer. Voilà, Kinko. Et tirer encore. Voilà. Ok, c'est ça. Du côté de Yitribek, il faut se mettre au deuxième player. Donc quand il va rentrer, il faut passer en bas. Voilà. C'est le Maroc. Tu peux descendre s'il te plaît. Tu peux descendre s'il te plaît. Peux-tu descendre, Mamipo?
Kit automation, c'est ça? Kit automation, ok. Kit automation. Désolé, j'essaie de m'habituer à ton nom. Comment on va? Il est descendu là? Ça va? Non, on n'est pas descendu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Non, il essaie à plus rond. Et puis allons, hein. Le vaccin, ils vont changer de prise. Je sais pas pourquoi. Non, il fallait pas descendre. Il fallait que lui descende avant. Mais depuis, il descend pas. Ouais, quelque chose invalidé. Il y a Dax, les gars, qui a demandé dans le groupe. J'espère qu'il va pas se plaindre par rapport à ça. Il fallait pas descendre. Qui a demandé quoi ça? Si eux doivent être au deuxième player. Poule, nous aussi, ça va très bien ici. Je merci. 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 Donc, petit changement. Petit changement, l'Algérie jouera à gauche cette fois-ci. Le Maroc à droite. Bam 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 bam. Yeah! C'est quel gars ça là? Regarde, non! En fait, t'as dit c'était un costume, c'est quoi ça? Chier! Et nous sommes le gars. En fait, il vient en mode costume, il n'y a rien à peine en fait. Il vient vous montrer quelque chose tout à l'heure. Come on. Ah, ça tient, c'est chaud. Hein. Tiens, non? Wow. Seigneur. Chop. Wow. Oui. Il a raté. Ah ah. M'a donné un pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Attends quoi? Et puis c'était un chien de mitié. Non, il a fait pas carré. Ou pas triangle. Si. Ça arrive. Ah, est-ce que YouTube va pouvoir gérer ce... J'ai l'impression que ce gars est zombie là, bouge plus vite que l'autre. Là, il a décidé à bombarder son adversaire. Oh là là. Oh! Qu'est-ce qu'il a? Non, il y a un souci avec... Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a mis pour... Ah, je n'aime pas ça. Ok. Trop de shuriken qui viennent de je ne sais où. Oh, je confirme même pas. Chop arrière. Mais il est sérieux là. En mode t'approche pas. Chop. Et puis il va marcher groupe V l'attraper. Yeah. Est-ce qu'il n'est pas. Ah non, ne vous là, il est vilain. Je trouve Mamie pour plus chaud que d'habitude. C'est jamais au niveau du chat. Il est pressé, il a. C'est quoi le souci avec Mamie pour les gars? Aucune idée. Il fait trop de DP dans le vent. Trop de DP dans le vent. Ça ne lui ressemble pas. Voilà. Je pense qu'il va aller changer quelque chose. Parce que les DP là. Non. Ce qu'on a vu là, pour le coup, exactement, ça. De Ken joue comme un Silver. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il a joué comme ça, mais... Ok, let's go. Donc maintenant, le Maroc joue à gauche et l'Algérie à droite. 1-0 pour Kinko. Ah, ils sont mal embarqués, hein. Nos amis de... Ouais, pour l'instant ça va pas. Nos amis de la team 9 sont très mal embarqués. 1-0 et là ils sont menés durant ce set. Donc tout va reposer entre les mains de Shakib Assidante qui sera si jamais... face à Dark Sword. Ça promet aussi. Ça peut être chaud.
Mais ce match là n'est pas fini. Ce match là n'est pas fini. Les mêmes costumes, les mêmes personnages. Attends, on dirait qu'il a changé. Je n'ai même pas regardé son vice système. Du côté de Namiko. Voilà, et là il a repris. Voilà, là je le sens. Hé hey, encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il a bien gilé, mais. Ouais. Sauf pas un gars, il a assis. C'est son numéro 1. Oh là là. Ah ouais. Je pif. Mais c'est gueule, là, il veut même pas qu'on s'approche de lui en fait. Bien joué. Là, il a pris tout et c'est quitte. Oh, et puis encore. Mais il a bloqué ça. Ah mais King Kong n'est pas prêt. Il ne ouais, absolument pas. Pas. Il va prêt. Faut faire garder cette distance. Ah non, ah, non. Ça, c'est cool. Tiens, non. Oh là là. Mais non. Mais sérieux. Je suis pas rien. Pas trop. Ah là, non, non, les gars. Ah non, ça va pas. Y'a quelque chose qui va pas du côté de Mamiko. Ah, ok. Et il est sérieux là. Elle joue comme si ça marche. Activation. Plus, hein. Ah ouais, qui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oulala! Wake up. Wake up anti-shop. Wake up reverse kick. Le gars est loin dans le mind. Frère. Le mais gars attends, est loin dans le qui mind. Ouais, exactement Star-Lord. Voilà, 2-0. King Kong, qui es-tu? Il est loin dans le mind, frère. Les Mongols ont pensé avoir vu une certaine faiblesse en Gaël, mais bizarrement, je vous l'avais dit. Ouais, je sens qu'il est. Ce Gaël a peut-être ouais, plus de problèmes qu'on peut vu. En même temps. Moi je pense que c'est jamais un personnage à laisser en fait. Je pense. Et c'est qui le dernier match? Le dernier match c'est Dark Souls vs Shakib versus Dante. Regarde comment c'est compliqué à dire. Dark Souls vs Shakib vs Dante. C'est quoi ça? Oh là là. C'est comment on mandera le mal? Alors, Dark Sword versus Shakib versus Dante. Pour le troisième match de cette première manche, attention à ne pas se prendre 3-0. Hein. Sinon, après ça, la seule initiative, la seule alternative, ça sera le nul. Exactement. Et aucune des deux équipes ne veut le nul. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci madame le mal. Ça nous touche. Ouais, mettre son Gaël. En tout cas, il nous a montré qu'il maîtrisait son Gaël contre le Ken en face. Rien n'est joué. Il faut maintenant que Shakib Dante, un bon capitaine, montre l'exemple, montre la voie à suivre. Ils sont menés 2-0. Ouais, 2-0. Oh là là, la compétition, les gars, la compétition. La compétition est rude. La compétition est rude. Ils ont fait match nul contre Suicide Squad. Ils ont pris leurs points, bien sûr, face à Leishmania. Là, ils sont menés 2-0. De l'autre côté. On a pris les points contre Leishmania. On trébuche contre Suicide Squad. Et là, on est en train de faire le taf. Mais lui, il a la pointe, mais c'est Shuriken qui sautait n'importe. Mais c'est pas. Attends, il faut qu'il nous explique. on va peut-être l'interviewer tout à l'heure. Ouais. Papa.
Voilà le compte qu'il faut inviter, c'est ça? Ouais, bien sûr, je l'ai invité. Je sais que c'est son nouveau compte Legacy. Je connais le nouveau compte de Darkswap. Je l'ai invité. On attend qu'il finisse son combat de classement. Et la chope insolente, hein. Le mec il marche combien de mètres là pour venir chercher cette chope. Alors que lui à son tour, il ne tolérait pas qu'on avance sur lui. Ah donc c'est Lord Nock en fait qu'il avait bien géré. Le gars il. Ouais. Parce que là, il n'est pas si faible que ça. Hein. Non, il n'est pas si faible que ça. Ils ont chassé son bison parce qu'ils avaient chassé le bureau. Alors qu'il y a un autre problème encore. Et c'est fini comme ça. Hein. Le ban est terminé. Non, il n'est pas terminé. Il reste quand même 6 équipes dans tes gants. Pourquoi tu vas venir un bison quoi? Quoi ça? Pourquoi tu vas venir un bison et puis il va s'asseoir derrière le château là. Quelqu'un a lancé un boulier à moi. Non, c'est bizarre. Il peut venir avec bison et puis bison va perdre. Et puis il va l'aller. Ouais, c'est pas faux. Venir bison et bison va perdre. C'est bizarre, hein, c'est cette histoire de ban, cette histoire de. Surtout cette histoire de FTD. Oh, ouais. Il a quel souci, d'accord. Il va falloir l'inviter. Et là c'est bloqué. Ah, c'était la dernière chance de Mamie Po. Sa toute dernière. Et ça fait gérer comme ça. Somersault. Ok, Dark Sword est dans le chat. Dans le salon, pardon. Descendez. Donc ça fait 2-0. On le rappelle pour. Legacy Team. Là on va assister à un match de footies. Oh comme on les aime. Oh parce que ces deux joueurs là adorent le footies. À moins qu'il y en a un qui décide de tout mélanger. Mais pourquoi ils ne mettaient pas les croches un peu même. Un peu dans. Et là on voit comment il a tué. D'accord, il connaît. Il connaît on voit très comment, bien, comment il a tué. Il a tué tranquillement, tout doucement, ouais. Sans bruit. Il n'a même pas été inquiété, ne serait-ce qu'une seule fois. Jamais, au grand jamais, je confirme, au grand jamais le mec a été inquiété. Là on part pour le troisième match. Et là tu as balle, le 3-0. Tu as balle de 3-0, tu as chaque équipe d'un pays. Tu joues bien Ken, mais je joue contre Darkford pour commencer avec Ken. Et tu joues Karine aujourd'hui. Dans le match-up à l'avantage de Ken. Et puis lui jouer Ken. C'est un peu bizarre. Hein, c'est jouer. Shakib donc t'as une grosse mission à faire. Hein? Ouais, il a une très grosse mission. On va voir. Il peut le faire. Très grosse mission. Après, s'il arrive à passer Darkford, derrière c'est 50-51 pour les deux matchs. Six. Exactly. Mais voilà, ça va être très chaud et très compliqué. Salut Lelouch, merci. Alors c'est parti. Allez, c'est parti. Et d'accord, comme d'habitude. Okay. Joey will finish. Je vous ai dit qu'on va assister du footies les gars. Yeah. Attention hein. Il a raté le combo. On sent le retour. Oh. Ah non. Jimmy. Aïe. Ils sont dans la place les gars. Premier round pris par Dark Sword. Premier round. Oh. Ah là là. Mais il y a deux pifs. C'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos amis de la GU? À la base même c'est bas triangle, bas gros point.
Mais eux ils font target combo, je comprends pas pourquoi en fait. Ok. On ralentit un peu, je lui confirme encore. Activité setup, c'est resté touché. Voilà. Bien joué. Ah choc. Oh il a lâché dedans. Ça peut faire mal. Et ça fait mal. Exactement. 1-0. Aïe. Dark Souls qui prend ce point là rapidement. Ne veut pas laisser passer cette chance du 3-0. Ouais, si, il veut. Parce qu'à 3-0, je pense que la moitié du travail est déjà. Ouais. De l'autre côté, il faut un énorme comeback. On a déjà vu ici hein, sur cette Valium Team Clash avec la Team Method. Voilà, un Madness qui s'est fait remonter 3 points. Il a vu ça, ça commence pas bien. La chope derrière. Honnêtement, hormis la boule, sur cette première manche, je le sens en dedans. Ouais. Après, voilà. Jimmy encore. Là, pourquoi pas. Il a appuyé juste après sur moins 2. Allez. Situation. Pas de pause. Oh non, c'était pas en scooter. Et même non mais. Même s'il a eu un counter, c'est pas Tatsuya qui veut le tuer ou pas. Première manche là vraiment. Garçon qui prend pas de vitesse entier. Joli. Pour l'instant, joli Dilly. Il confirme, fait super mal. Il a confirme. En tout cas, tout gagnant. Ça tu confirme là, qui fait super mal. Voilà. Et là, on sent Shakib libérer un peu. Est-ce que c'est pas trop tard? On verra ce qui vient à ce moment. Est-ce que c'est pas trop tard? Ah non. Deux. Ah, c'est nos caca. Aïe. Le final attack. Salé. Ok. Cette première manche, 3-0. 3-0. Salé. Ah là là. Karim win. Il va vouloir trop remporter le point, il ne le défend pas. C'est qui ça? Le principal du... Shakib me demande bien. Ah non, là c'est parti, Ça commence très mal. Et donc 3-0. Nos amis du Maroc. Bon écoutez les gars, on va marquer une légère pause là. On va voir les différentes line-up pour la deuxième manche. Et puis rapidement on revient. Donc juste 5 minutes. On gère ça. Et puis on est à vous pour la deuxième manche.
le Shimono. 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 Shimono.
Shimono. Voilà, nous sommes de retour pour le deuxième match du premier match entre la team Legacy du Maroc et la team 9 de l'Algérie. On vous rappelle que les choses ne se passent pas bien pour l'équipe algérienne puisqu'elle est menée 3-0. Alors, il va falloir réagir. Et on l'a senti tout de suite avec un changement d'entrée. Motobo va remplacer Yitiri Berk, là, qui a livré une prestation digne d'un silver comme l'on mentionné sur le chat. Donc voilà, il s'est fait remplacer. Du côté de la team Legacy, on n'a pas changé. On n'a pas remplacé. On n'a pas changé de line-up. Ils sont quand même confiants. Ils ont foi en leur force. Voilà, et en face, on a l'équipe Team 9 qui utilise son deuxième ban. Exactement. Les deux équipes n'ont plus de ban. Voilà, les deux équipes n'ont plus de ban. Donc l'équipe de... Voilà, Team 9 utilise son deuxième ban. Non pas contre Ed, non pas contre Karine, mais contre Bison encore. Ils veulent pas voir Bison, vraiment. Et ils ont changé un peu la line-up du coup. Ça donne Daxod versus Moturbo, Kinko versus Shaki versus Dante. Et Legacy qui va jouer là maintenant face à Zagul. On aura un runback de feu. Exactement. De malade. On vous rappelle que la première fois ça s'est passé... Ça s'est joué à un saut. Le gars n'a pas sauté normalement, mais il a sauté pour fuir. Du coup, il a laissé les dégâts et il s'est fait remonter. Donc là, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, selon le line-up, vous pouvez directement rejoindre le salon vu qu'on vous envoie des invitations, les gars. Legacy et Zagloul. Vous pouvez vous rejoindre le salon, s'il vous plaît. C'est l'heure de la bagarre. Voilà, donc les deux joueurs sont dans le salon. Zagul, il a l'air motivé, hein. Il a, dès que ça arrive sur lui, il a validé. Et voilà, qu'est-ce du côté de Legacy, je sais pas ce qu'il y a. On salue nous aussi, Mathieu. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous fait, Legacy? Yeah! Dernière seconde.
le premier match était intense. Le match était très intense, entier, comme il se doit. Salut de Wachu. Ah non, ok. Salut Wachu, ça va. Donc là, c'est reparti pour la deuxième manche. C'est là, hein. Allez, vite. Pourquoi on met le son de hit? C'est pas juste. C'est mon gars. Les deux. Oh là là. Il est attaché dans le filet. Et les gars. Ah, il s'y attendait, il s'y attendait. Oui, là. Oui. Le saut là, il attendait. Ah, quelques petits soucis là. Ah, pas de shuriken. Et ça, tu peux pas faire universal. Oh là là. C'est terrible. Il ne peut absolument pas faire universal ce coup. Il est obligé de subir la pression en quelque sorte. Je vais jouer ça le coup d'avant, mais si tu testes celui là te tuer, tu es fait. Et sa petite solution pour le boule est assez sympa. Hein. Oh là là. Un joueur. Pour réagir à ça. Oh là, la connexion est très bonne. J'ai l'impression que j'ai un gros souci là. Ouais, apparemment. Plus de 7. Ah, il est resté là. Pardon. Il prend tout ça. Ah, j'en suis. Oh là là. Casse-le. Là maintenant, il n'y a plus de V-trigger. C'est triste. De V-trigger. Entièrement. On gérera sans V-trigger. Entier, il rate ça aussi. Attention à ce petit pif qui peut. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Mais qu'est-ce qui se passe? Non! Non, non, ce petit pif là! Où il allait se faire taper là? Et qui est-ce qui est sorti? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Normalement. Il vient de perdre. Ce. Là le roux ne vient à Zabou là. Exact. En quelque sorte hein. Un boss. C'était quoi le. On peut avoir le replay. Non il revient, normalement il revient avec le combo et tout. Maintenant après bon. On peut avoir le. Il y a les Legacy même question. Serait-il possible qu'on revienne rapidement sur cette ce qui s'est passé? Oh là là, ouais, la lune. Oh là là. Mais s'il est encore connecté, il faut qu'on vérifie en fait. Faut qu'on vérifie. S'il n'est pas connecté, ça. Ma bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là là. Ah, il est là. Non, non, il est pas là. Il y a Yitribek qui est dans le salon. Yitribek, non, c'est pas toi. Fais sortir Yitribek.
Astalon, c'est bizarre, hein. Voilà. Réinvite-le. Il dit qu'il a été, que le serveur l'a fait sortir. Ok, ça c'est le premier round. Voir, on est en train de regarder là le la situation. Donc il y a le Gassi qui est revenu. Exactement. Donc on reprend à zéro ou ouais, attendez qu'on regarde rapidement parce que je sais même plus où ils en étaient en fait. Donc, ils étaient à un round à zéro pour Legacy. Okay, maintenant, lui, il revenait à un round partout et puis ça s'est connecté. Donc, ah, vous voyez, okay, fait un round, là, ils vont reprendre. Ok, je vois. Ok. Donc, ils reprennent à un round pour Zagoul, c'est bien ça. Et un round pour Legacy, pardon. Parce que niveau ce combo, tu es pas. Non, pour lui ça tuait pas, est-ce que je pense que c'est... Là, nous sommes de retour. Ouais, donc après discussion avec les, voilà. les joueurs, ils vont reprendre le match. Depuis le début. Très mauvaise anyway. Donc vraiment merci à. Merci aux deux. Comment il s'appelle? À Legacy qui a accepté de reprendre à zéro. Et merci aussi à Zagoul pour si tu veux le fair play dont il a fait preuve parce qu'il a joué le premier round malgré la connexion qui était mauvaise et tout.
Donc là, on non, surtout, zéro. surtout que là, il peut poser une réclamation pour le match même complètement en fait. Parce que c'est Legacy qui se déconnecte. Okay. On reprendra le match. On reprend le match. Pour votre plus grand plaisir. Zéro partout. On espère avec cette fois-ci des serveurs plus cléments. Présenté d'un serveur pourri, c'est tout. Vous savez qu'on n'a pas de serveur du coup. Chaque fois qu'on a un match, voilà, balance un serveur soit au Brésil, soit en Europe. Ce qui donne la fluidité du match. Allez, c'est parti. Oh, ça confirme ça. Ah non. Après Shuriken, il a quand même eu son combat. Ouais, l'autre il a lancé de la corde. Allez, je vais ça. Tiens. Au lieu de... Il n'y a pas eu de DP, pourquoi? Où a pris ça? Ah là là. Oh ah il y a le Jesus. Oh wow. Et là, il arrive quand même à prendre le round. One, two, three. One, two, three. Ah, dans ce tir là. Allez. Allez. Ah non. Là pour le coup il est resté safe. Back throw. Pas de cross DP. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, entier. Ah, Legacy joue bien. Joli. Legacy joue bien. Chance qu'il est, il est très concentré. Donc, un reparti. Reparti. Pas de shuriken. Pas de DP. Pas de DP encore. Mais tu sais, il saute à une distance assez problématique, hein. Ouais, quand même. Parce que vu que son saut va quand même assez loin, s'il saute en appuyé derrière... Ouh, joli. Allez, joli, confirme. Joli combo. Et reversal. Allez, on maintient l'adversaire dans le corner. Joli en tir. Et là, le début des problèmes. Allez. Oh. Allez, ça arrive, ça là. Il décide de ne plus se fatiguer. Hein. Pas de DP encore. Allez, là. Hey, ah le... Là, le pif. Allez, back throw. Allez, vers Versal, bien sûr. Pas de DP. Ça chauffe. Attention, c'est pas fini. Pas de DP. Là, sérieux, là. Là, sérieux. Le mec laisse le saut et puis pif derrière, s'il avait bloqué. Oh là là, 1-0 Zagoul. 1-0. Zagoul. On vous rappelle que c'est le même match du premier set. La sword, Legacy avait emporté 2-1. Voilà, et Legacy qui va sortir. Oui, le fidèle à la gaze. Donc, parti encore. Va falloir valider Zagoul. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il y a? Ou alors le mec il pense qu'il a gagné vu que l'autre ah non est déco. Ah on espère pas qu'il pense ça. Faut peut-être signifier à Shankchakip tenter de contacter.
Ouais, Shakib Dent ne comprenait pas en fait. Il m'a posé la question, mais j'avais pas vu. Ok. On a Shakib Dent de le contacter. Gassi qui demande, il fait quoi? Ah, il dit qu'il revient. Ok. Il dit qu'il revient. Donc on est là, on attend le retour de Zaglou. 1-0. Lors de ce match face à Legacy. Et voilà. Okay. Peut-être qu'il est parti redémarrer. Le passe-string. Ah, c'est un match disputé hein, entre les deux. C'est un match très disputé. Si, si. Tu sais pas vraiment vers qui la balance penchera, mais voilà, il faut qu'il se départage. Il faut qu'il y ait vainqueur. 1-0 pour Zaglou lors de cette deuxième manche. Il avait mené comme ça au premier match. Mm-hmm. Et puis il s'était fait remonter. Là il mène, on espère qu'il va pas se faire remonter comme tout à l'heure. Face au terrible Legacy. Et là. Oh. T'es sérieux? Et Legacy qui a counter pick. Mm. Et ça fait deux personnes qui parlent de ma voix. Il y a quel souci? Très bonne question. C'est mon micro ou bien c'est. Et je parle normalement. Très très bonne question. Ma voix a quel problème, les gars? Vous me faites peur. Là. Donc là, Legacy qui a counter pick. Ah, Harmony, il va pouvoir le zoner. C'est Gilles a failli vous faire du n'importe quoi la dernière fois. Exactement. Oui. Oh, c'est pas vrai. C'est parti avec les. Allez. Dieu, tu le chasses en plus. Allez, activation des triggers. Et il va check. Yeah. Attends, il tape loin. À cette distance là. C'est quoi ça? Ouais, là il a... Top 4! Oh, fini! Joli combo. Oh. Il finish, oh, allez! Oh, il n'y a là, pas de cross deep! Il n'y a pas de cross deep, le mec! Allez, un bon backdash, hein! C'est un bon backdash! Top 4! Oh là là! Comme ça! Allez, il est au sol. Ah ah ah. Aïe aïe aïe. C'est le top 4. Serac. Allez, Gassi en patron hein, sur ce match là. Il chasse. Il est au sol offensif. Ah, l'esprit est pas bon. Mais c'est souvent trop loin. Ok. Oh, il est sérieux le mec. Mais... Il est sérieux le mec. Ok. Oh okay. Là là. Un partout. Ah, Legacy, il veut pas laisser des points. Le mec est venu pour une mission. Point less. Ah non. Il y a encore Shakib Dent derrière. Il y a encore Motubo qui fait son retour dans l'équipe. Mm-hmm. On va voir comment ça va se passer, mais pour l'instant, en tout cas, Legacy Team, on a vu la mission, prendre les 6 points possibles. Exactement, ils sont pas là pour couler. Ya! Yeah! Oh. Quoi? Eh, hey, Seigneur Jésus! Mais c'est qui ce perso? Seigneur! Jesus! Ah non! Harmony! On dit, ouais, mais faut voir que
C'est un peu de nécro, par là, là. Comment Ryu rentre? C'est à quelle heure? Bien joué. Non. Il ne veut absolument pas le laisser jouer. Ah là là. Oh, toute sa vie blanche. Ah, ah là là. Top fort. Ado. Va tenter le comeback. Ça passe pas. Oh, voilà. Shuriken. Les shurikens sont faits là. Le chasse. Oh, c'est vilain. Oh ben, bien joué. Bien joué, Zabu. Il peut le faire là. Bien... Oh, Zabu. Bien joué. Il a trouvé le moyen de faire ce comeback là. Balle de Mac Zabu. Oh, allez, un tiers. Les entiers sont là. Ça se fait un peu. Bien joué. Allez, bien joué. Bien joué du côté de Zabu. Mais ça joue, ça joue super bien là. Ah ouais, c'est ton adversaire de sac. Pagagéry. Allez. Il est stun. Il le chasse. Bien joué. Tu as vu le combo. Gros gros hein, champion. Oui, si. Ouais. Ah. Et c'est terminé. 2-1. Ouais. Oh là là. Quel match. Quel match, les amis. Exactement. On a vu le match là. On a vu qu'il était dans des problèmes. Il était mal marqué tout. Mais au final, c'est lui qui gagne. Ouais. Street Fighter. Oh. Faut rester concentré du début. À la de Zagloun. Bien joué à Zagloun. Et Zagloun qui reste vivant. Voilà. Le deuxième match, je pense que c'est Kiko. Kiko versus Shaki. Versus Shaki. VS Dante. La quinzième pour l'Algérie. On attend que Kiko rejoigne. Ah, il est là. Ok, Kiko. Le pauvre, son bison. Son bison a des sérieux problèmes. On veut pas le voir. Le jeu, ils sont en lui, donc on compte. Et juste après, on le chasse. C'est terrible. Dis-moi. Juste pour info, Shop CS saison dernière, tu veux des bandes. Non, One Punch. One Punch. Non. Ils ont utilisé un ban, contre le Congo. Contre le Congo. Ah ouais, ils ont ban qui? Chun-Li. Ah ouais, oui, si, si. Ils ont utilisé un ban, en effet. C'est vrai. Non, il a commencé à m'entraîner un autre joueur. Salut Zenap. Donc Kinko versus Shaki versus Dante. Chaque fois il dit ça, vraiment ça me fatigue. Non, ça même que... Non, c'est bizarre même. Maintenant le monde de l'affaire a confirmé que c'est bizarre. Aïe. Ah. Oh, vraiment, ça regarde le nom même du versus. On dirait... Shaki versus Dante versus Kinko. D'une bataille royale. Je comprends pas. Salut Fire Gaming. Mais le gars là, les Algériens là, ils ont un gars qui vient ici mettre le show dans le chat à chaque fois qu'il utilise un bon jeu. Lui ? Pourquoi il n'est pas avec un team de jeu ? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. En tout cas, lui connaît ses éléments. Quand ce gars de deuxième bon jeu, il est là. Ah. Et il a mis le c'est un autre Ken. Hein. Et là, c'est V-Trigger 2. Tu sens même que le gars, ah, c'est différent. La donne est différente. Il y a eu un bug tout à l'heure ou quoi, avec Kitty qui est entré dans le salon. Hein? Je sais pas ce qu'il veut chercher. Il nous a tapé une fois. Il est dans les problèmes là-bas. Faut pas que c'est le Sonic Boom. Sonic Boom. Il blesse à rien. Comment? Le pif. Oh là là. Ah ouais! Et donc lui il est loin dans le maillet. Bon là, Kingo là.
Chope! Quoi? Le même mind! Ouais! Oh, ça, il rage plus dans un ring mind! Aïe! Tu penses. Il va la bâche du militaire! Solid boom! Token! Tiens! Ça, c'est direct, hein! Ah, joli tentative! Token! Va te tuer sur ça, hein. Ah, il met ses deux bas, il a pas de peur. Voilà. Là, c'est terminé. Sam, Choremba, mets tout. J'avais peur par rapport au choix du tatou en bas. Mets tout. Ah. Yeah. Voilà. Hey. Ah, ça c'est pas bon. Hey! Au dernier moment, hein! Hadouken! Shuriken! Shakib! Chop de Shakib! Shuri! Ça c'est pas bon! Il va flash! Yeah! Seigneur Jésus! Mais c'est qui lui là-haut? C'est qui lui là-haut? Seigneur! C'est vieux! Qui? Il a pris ça! Il a pris ça! Quel match, les gars! Quel match! Il a pris ça! La team 9 de Vegas là! Il a pris ça! Ah, lui aussi! Seigneur, quel match! Waouh! Lui aussi! Pa! Parti Saint-Claude! Yo! Ouais, un excellent match! Spada, toi tu aimes les bêtises, comment quand tu vois Guy? Non, mais le gars il est loin dans le bain! Ouais, très loin! Tiens, ça c'est joli. Non mais son. Sonic boom, Sonic boom. Sonic boom. Entier. Oui. Tiens. Attention. Il est resté deux aussi. Le châssis, la champion. Ah là! C'est sur au bon moment! Oh, nickel! Non, regarde, elle est lourde! Yala! Aïe, ça a été exactement ce Yves qui. Je comprends pourquoi elle a fait le choix de battre Vison! Exactement! Oh, attention! Il doit commencer à. Encore. À tout mélanger là. Bien joué. Mais il n'a pas confié de. Il a attrapé ce coup là. Il l'a attrapé en haut. Attention là. On le ramène au bonnet, c'est évident. Non, tu fais pas ça contre chaque versus DLC. Tu peux pas il faire ça. Tué ça. Le mec a fait 2-0. Il faut pas t'amuser. Les gars, on 2-0. A ça trop de fois ici. Et ça fait 3-2 au score cumulé. Hey, tout est dans la main de Dark Sword, hein. Les grands papi opposé, va aller uriner, j'ai peur. J'ai peur. Voilà, il tout revient dans la main de Dark Sword. Exactement. Mon vieux. Les choses. Dark Sword qui a le point de la victoire pour son équipe. Et Dio. Quand j'ai vu Ken Veskill devait trigger 2, le gars n'aura pas peur de jouer le neutral des meilleurs gars. L'autre l'a voulu mettre la pression, on a vu que ça marche pas. Shakib Dente, lui il est serein. Donc... Ah Dark Sword est là. Il va falloir inviter Motubo maintenant. Allez, Swad va les bouffer. Allez, Swad va. Ah, Swad est terrible. Il est Dark Sword va les bouffer.
Et on a nos deux. Combattants qui sont là. Il dit, Alesson a dit Daxon doit le bouffer et puis du courage. Aïe. Aïe aïe, ça va être chaud. Daxon qui tient le point de la qualif de son équipe. Ouais. On verra si sera face à un Modibo docile. Modibo qui est sûrement en train d'être galvanisé par ces gars là-bas. Allez, vas-y, prends ce point. Zaglou même il a souffert mais il a tenu bon. Tu sens que les gars veulent tout donner pour venir. Tout est entre les mains de Motoro. Attends, donc Motoro gagne, ça fait 3 partout maintenant. Oui, exactement. Oui. Déjà il faut qu'il se concentre pour faire ça. Voilà. Oh non. Ouh, combien de dash là? Nash peut venir ça, non? Là. Tu vas pas faciliter la tâche à Dark World. Bien joué. Viens là, c'est là. Ouh, c'est parti. Un choc de Dark World. Il a pas confié ce coup là. La choc est mort. Très bien joué. Il a regardé, il est mort. Très très bien joué. Wouh! 1-1! C'est le bon dégât qui commence. Ouh, il a fait une dash en deux, hein. Ouais. Oh le pif! Fallait piffer là. Cancel derrière. Oh, tu vois qu'il est offensif, hein. Get lost. Bien ouais. Joué. Et bon, tu vois, il est très concentré, hein. Très concentré, très actif. On lui flige. La chope qui passe. La chope encore. Shop. On le chasse. On n'a pas besoin du V-Trigger. Ah et c'est fait. Joli week-end. Bien joué. Bien joué. C'est celui qui prend ses premiers points. Qui n'est pas prêt à laisser les 3 points de son il équipe passer devant lui. Karin win. Plus qu'un point, c'est géré. Daxworld et sa team. Motibo va falloir redoubler d'efforts. Je pense que c'est à la place quand même pour Motibo. Il a pas mal joué. Non, si, si. Il a pas mal joué. Round 1. Ok. Yeah. C'est parti à l'effet de mouvement maintenant de Karim. C'est pas l'aide, mais attention. Oh. Le big whiff finish. Ya! C'est passé ça. Le chasse. Voilà. Oh bon! Ah, y'a pas identifié derrière. Y'a pas identifié encore. Voilà. Oh toute sa vie blanche là. On veut pas que le mec utilise. Yeah! Vous avez vu le temps qu'elle a pris pour se reprendre sur ce bas medium kick. Ouais, il est 9 là, jeune fille. Oh là là. Oh yo yo, c'est parti, attention. On le connaît, Dark Sword, il est terrible. Il te confirme à n'importe quel moment.
On le chasse. Bien joué. Sarah n'a pas. Ah, le check. Ah, il connaît son élément, il connaît son élément. Je pense qu'ils se connaissent bien. Ça commence à bloquer un peu, attention. Fait que c'est juste à notre niveau. Aïe. C'est raté. C'est raté aussi de son côté. Ah là là. Dac. On est parti. Non. Et il est très actif. Ah là là. Quoi? Allez, le pif. Ouais, lui dealer. Je lui dealer la partie. Ah là là, les gars, c'est chaud. Match point pour Dashwood. Le pif qui passe encore. Oh là là. Attaque soit qui lui laisse bien. Il a la garde. Il se précipite pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, du côté de moi, tu vois, on a pas anticipé ça. Attention. Il est dedans, attention. Ah non. Il est dedans. Chut. Ah non. Il va mettre là-bas. Oh, ok. Oh là là. Oh là là. C'est géré. Chatoul et Daxman qui prend le premier point. Prend le point de son équipe. Ouais, le point. Et là, il a su la victoire. Ah oui. Là, il a su ça, la c'est victoire. Un point très important. Un point très, très, très haut que, oh, oh, que bien important. Ah. Voilà. Maintenant, ils vont jouer juste pour donc, Daxman, le score. Là. Ils vont jouer maintenant pour les... Il va devoir jouer contre Ouzagou ou Shakib versus Dante. Exactement. Voilà. Là, maintenant ça va jouer pour le j'ai envie de dire le goal à virage. Mais Motobo il a bien joué. Mm-hmm. Il a bien joué. Je pense que c'est sur le momentum de Daxford que Daxford s'est donné à fond. Sinon Motobo a bien joué le match. Ouais, Motobo a très bien joué. Il a joué juste, il a fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas été suffisant face à un Daxford très concentré. Oh, c'est un Darso très 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 concentré. Ok, donc ça sera qui contre Darkswat? Zagul. Zagul contre Darkswat direct, ok. On va faire la place pour qu'il... Voilà, il a le score de 4-2. 4-2 pour nos amis. La team 9. Deux pardon pour les gars Fit Team.
Et là, nous avons Abloul versus Dark Sword. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu tout à l'heure que Dark Sword était à l'aise, en tout cas, versus Ken. Là, on va voir versus Ryus. Qu'est-ce que ça va donner versus Abloul? La shop. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Ah, il y a une connexion du côté de Zagloul. Ah ouais, Dark Sword a géré la victoire pour son équipe. Ils ont commencé, il y a eu des coups. Yeah. Ouais. Qui est sorti, Zagloul? Zagloul, cette fois-ci. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Dark Sword, on le voit, est très concentré. Tous les points sont importants, donc on sait qu'il va aller. Essayer de forcer pour avoir le maxi possible. Est-ce qu'il va pouvoir gérer tous les membres de l'équipe de la team 9 comme Arespad l'a prédit? Va-t-il pouvoir le faire ou est-ce que il se fera stopper? Il y a un score. Ouais, 4-2 score. Exactement. Takib Aliou. Ok, donc Zagloul. Round 1. C'est parti. C'est un palace qui connaît. Toulugan. Zagloul n'est pas là pour Toulugan. Joli. Oh, ah, ce qui a passé. Bien joué. Tiens, non. Oui. Pif. Attention là. Okay. Il a des chocs, bien joué. Passion. Chimie. Voilà, c'est bien passé. 1-0. 1-0, pardon. Mm-hmm. Round 2. I can see right through. Oh! Quelle interruption! Je ne sais pas que c'est. Hadouken, bien joué. Ah, il a eu peur du pif. En fait, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'il a l'avantage? Ouais, il se méfie du pif. Dark Sword a réussi à les effrayer avec ses pifs là. Karine très posée. Que là, ouh, pas de confine, ça c'est rare. Bien joué, joli. Anti-air, non, pas d'anti-air. Ah, il est revenu, sachant que Ryu pouvait parier. Ouais, exactement. On se fait un single hit. Ouais, le carré seulement, c'est pas bon. On la connaît, Karine, elle est terrible. Ok, oh, aïe aïe aïe. Lancer les fireballs comme ça. Et chop. Situation. Chop. Hadouken. Oula. Voilà. Oula. Il aurait pu parier.
1-0. 1-0 pour Dark Souls. Il aura pu Paris. Candidat très sérieux Dark Souls. Ouais. Il est en train de faire le travail. Hein. Ah, il fait le travail pour sa team. Il fait le travail là. 1-0. Qu'est-ce que Zagloul nous prépare? Qu'est-ce que Zagloul nous prépare? Aurait-il un second caractère? Peut-être l'entrée en jeu de Look. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être l'entrée en jeu de Look. Là 1-0, Dark Sword, pas de succès. Est-ce que comme Arespada a eu à lui dire, il va bouffer tout le monde, ou est-ce qu'il va se faire stopper au bout d'un moment? Ouais. Il est en face de lui que des chotos. Le studio de Van M. Bison. Et il sort Karine. Je m'attendais à tout sauf à ça. Dans le match miroir, qu'est-ce que ça va donner? Le plus expérimenté va emporter. Round 1, fight! Réellement Karine de gauche. Anti-air. Job arrière. Attention! Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à Karine qui s'y connaît. Job aussi. On va voir qui. Qui est master de tempo? En plein temps, Zagoul qui est devant. Il s'est fait balayer. Ah. Oh, les bons dégâts. Petit, il a raté. Il rate aussi. Faire ça, c'est comme une bien sûr, les wait. Il rate pas comme ça dans cette situation. Quand il t'a presque tué, il t'a raté. Il a pas eu de trip combo là. Ça fait beaucoup, hein. Ah, ouais, il rate ça. Universal, pas la voix. Elle anticipe en fait. Yoken, ah ouais, ça joue une distance. Activation, déchire. Et pousse. Ok. Oh! Mais pas là-bas. Ok. Pas d'entier. Dark Souls qui pour l'instant ne se fatigue pas, cherche à faire des entiers. Ah là là, oui, c'est terminé. Ah mais il a réussi à le read 2-0. Deux fois. 2-0. Voilà. Ah, Dark Souls est vraiment parti pour gérer tout le monde. Karine. Là ça fait 5-2 pour son équipe, il va aller prendre le dernier point. En fait, j'ai pas compris le choix des bans. J'ai pas compris le choix du ban. Le choix des bans en effet. Vous trois vous jouez des chotos. Il y a Motovo qui s'est bien, débattu. C'est bien géré, malheureusement il a perdu. Mais Dark Souls est en train de gérer ça tout simplement. Et Zagloul, jeune Karine de poche, autant la sortie au premier match. Et donc tu fais le sortir pour que Shakib versus Dante vienne. Voilà. Ces deux là se sont affrontés au tout début. Donc j'ai envie de dire que Dark Souls à plus ou moins son adresse. Assurant qu'il essaie de faire des réajustements pour voilà venir embêter son adversaire. Il semble très mais vraiment très concentré. Ouais, Dark Souls est concentré, il est exactement très concentré. Il est là pour une mission. Il n'a même pas drop une seule game apparemment, si je ne me trompe pas.
Ok. On part pour le dernier match. Voilà. Peu importe le résultat. C'est le dernier match de cette de ce qu'on appelle ça. De ce premier versus. Il a 5-2. C'est bien ça, non? 5-2. Ouais, 5-2. 5-2. Ah. Il gagne ça, ça fait 5. Ça fait 6-2. Ouais. Puis ça fait 5-3. Tu peux le faire. Ah, il est rentré avec son Ken classique. Quinto Rio. Le fameux Ken. Kimono jaune. Ok, c'est parti pour le dernier match. Ok. Hadouken. Oh, bad. Mais il faut interrompre ça, frère. Ah, stop. Bien joué, un petit bien pro. Pas d'entier. Mais comment est-ce qu'ils font? Tous pour ne pas ultra de combo. Faut pas plus sur ça. Ah non, non, non. Tiens là. Tiens non. Ah ouais, ils s'embêtent pas à faire les anti-heavy. Ils s'embêtent pas à faire les anti-heavy. Activation. Y'a plus. Ah oh, non. Oh, oh, non. Oh non. Ouh. Je pense de la vie, overhead. Juste overhead. Juste un overhead. Voilà, pour prendre le premier round. Quand le chat, c'est mieux. Ça. Il n'arrive pas à sauter. Stop. Oh! Ouais. Pas d'activation de l'air, évidemment, on n'a pas encore le ressource. Il prend ça. Ah, j'ai lu setup. Big stop, pardon. Et plus. Non, qu'est-ce que tu fais, frère? Ça peut être tué, hein? Il est mort. Il est mort. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'il prend ça? Chaque compté, comment est-ce qu'il prend ça? Ça fait 1-0, Dark Shot. Ouais. Il est en train de, à lui tout seul, gérer toute cette équipe. Ouais, à lui tout seul, il est en train de gérer toute cette équipe. Avec ta Karine. Round 1. Dangereuse et sérieuse Karine. Bien, non? Hop, 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 hop. Ah, le cross DP qui a pas passé. Oh. Oh non. Le pif encore. Le pif. Il craque là. Pam pam. Il craque là. Il a pas piqué ici. Chop. Yeah. Mais lui là, c'est à quel pif. Quelqu'un peut nous expliquer? Quelqu'un peut nous dire à quel pif là? Ces pifs sont très... Où il a pris ça? Bien joué. Ça tue? Non, ça tue pas. Ouais, il a appuyé là. Et tu lances une fireball. Oh non, il sait, il s'attend à ça. Très 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 bien joué. Il s'attend à ça. Il va essayer de prendre avec ça. On se retient à l'aise. Ça choque. Punté. Les dégâts. Aïe aïe aïe. Oh, Karine est terrible. Oh. Danse classique. Il a pris les 3 points. La respondante l'avait dit.
et Dark Sword, pardon, à lui tout seul qui décime cette équipe de Team 9. Aïe 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 aïe. On vous rappelle, vice-champion Orange Esports en 2019, Dark Sword. Dark Sword. Il avait annoncé sa retraite sur ce jeu, attendant le Street Fighter 6. Mm. Et elle est sortie de sa retraite pour venir porter main forte à son équipe. Exactement. Le devoir. Voilà. Et je pense que ça a été très bien de la part du capitaine d'avoir milité pour ce retour-là parce qu'il fait le travail. Ici. Donc le score sera finalement de 6-2. Ah ouais, de chapeau. Pour l'instant, la tête de ce groupe. Félicitations, Dashwood. Dashwood est géré comme c'est pas possible. Voilà. Il aura ramené 4 points précieux à son équipe. Hein. Ouais, à lui tout seul. Ouais. Donc voilà. 4 points précieux à son équipe. C'est terminé, les gars. Donc, victoire! Exactement. De Legacy Team 6-2 face à Team 9 de l'Algérie. Alors on a vu un excellent match. On a vu un début de comeback. Mm-hmm. On a vu un Motubo qui a failli le faire. Et malheureusement, Dark Sword était bien trop concentré pour cette mission. Il était bien trop concentré pour apporter les points à son équipe. Donc victoire et victoire méritée. Voilà, il a su classer ses adversaires du jour. Et il permet à son équipe d'emporter. MVP en même temps. Ouais, il n'y a rien clairement, à dire. Clairement. Voilà, retour gagnant. Je pense que les Jugas sont là, ils sont dans la place. C'est l'Ovalium Team Clash. Voilà, félicitations. Merci à vous d'avoir suivi ce match. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième match. Exactement. Et la dernière rencontre de la journée. La dernière rencontre, la régie, rapidement. Mettre la pause là.
Shimono. Shimono.
le Shimono. 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 Shimono.
le Shimono. 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 Shimono.
外れし者。外れし者。外れし者。いいのか。我は宿命を外れし者。Et nous sommes de retour. Ah, et déjà sur le chat, on voit bonne chance Lord Nord. Ah, c'est sûr qu'ils vont assurer. Les gars jouent contre les Schmania. Et donc, on a les différents line-up qui sont là. Bien entendu, bonsoir les amis. Nous sommes de retour après une petite pause. Voilà. Nous sommes de retour. Après une petite pause, voilà, et là nous nous retrouvons après le dernier match pour passer ensemble le dernier match de cette soirée.
entre Suicide Squad et Leishmania. On a déjà les line-up. Retroman qui va faire son retour n'était pas là lors de la dernière partie. Il sera face à Marabout. Face au Marabout. On a le Joker qui, bien entendu, nous a livré une prestation XX. Pas elle, puisqu'il s'est fait battre. Voilà. Au dernier match. Là, il sera face à Stormer. Et enfin, on a Lord Nock qui sera face à Sensei. Et bien sûr, on a Lord Nock qui, déjà dans le chat, a des fans. Bonne chance au Lord Nock. Là, nous allons partir au premier match. Il s'agit de Retroman face à Marabout. Donc voilà, on a les adversaires qui sont dans le salon. On a assisté tout à l'heure à un excellent match entre Legacy Team et Team 9. Voilà, un match entre Frère Maghrébin. On a vu un excellent match. On a vu surtout une excellente prestation, performance de Daxford. Bien sûr, lors de ce match, ça avec le Chevalier d'Or, le MVP comme vous le voulez. Il a livré la meilleure prestation, il a porté son équipe vers la victoire et là nous sommes sur cette rencontre. Et on aura le premier match entre Retroman et Marabout.
Voilà, donc c'est quand vous voulez les gars. Tiger Claw est là. Et pour tous ceux qui veulent suivre Tiger Claw, il va falloir être connecté le samedi à partir de 17h. Voilà, la poule C. La poule A, pardon, entrera en liste. Et après ce match, on aura le rendu de cette poule A. Cette poule C, pardon. On aura le verdict de cette poule-là. Mais il faut d'ores et déjà savoir que l'équipe de Legacy est qualifiée et sera bel et bien au second tour de cette compétition. Malheureusement, l'équipe de... Le Team 9 pourra pas en dire autant, à moins que Leishmania nous livre une prestation XXL là. Et renverse la vapeur. Renverse le pronostic face à cette équipe. Je suis Suicide Squad qui n'est pas favori lors de ce match. Donc c'est parti, nous sommes là pour le premier match. Round 1. Il a joué là. Oh, il pousse là, attention. Command Glob. Allez. Oh! Si on l'avait bien anticipé... Allez, bien joué la commune grave. Il avait bien anticipé cette attaque-là, mais malheureusement, derrière... Voilà, premier homme du côté de Retro. Pardon, tiers du côté de Marabou. Allez, je compte faire. Et là, il est dans le corner face à Rainbow Mika. Très dangereux là. Allez, vers Universal pour casser la pression. Ou plutôt pour le maintenir dans le corner. Allez. Allez, premier match. Nos amis. Mika. Le Suicide Squad qui grâce à Retro prend le premier match de ce premier set. Voilà, 1-0 en faveur de Retro. Balle de match. Parce qu'il va rapidement. Il va rapidement prendre ce premier point là. Bonsoir Coca, on est arrivé. Round 1. Fight. Ah là là. Oh, il n'y a pas de punition là. Activation des figures. Ah là là. Qu'est-ce qu'on a là? Oi. Hmm.
Mais Marabou n'a pas vu que c'était pas lui qui avait le truc. Trop de. Non, les mecs ils sont. Les mecs ils sont juste à côté. Je vois qu'il n'y a pas de lag de leur côté. Mais pourquoi que ça cale comme ça de mon côté ici? C'est quand même bizarre ça. Ah, il se fait chop. 1-0. Mika win. On va faire la place. On a Joker versus Stormer. Donc, attention, faut qu'il change de touche d'abord. On est là. On a Look. Côté de Joker. Face à Stormer. Audi. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien là. Round one. Oh, ils ont vu finir ça? Ah, je lui finis. Ah, comme ça? Bien joué. Allez. Hop. Et ou R, avantage Joker. Et puis réactif. Activation des triggers. Ah non, trop de. Ah là là. Et Stormer qui prend le premier qui revient un partout pardon. Oh là là, double dragon. Oh mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, il se fait canarder. Luke wins. Le Dalai Senpai. Bonsoir, on est arrivé.
1-0 Joker. Non, pas sans souffrance. Mais il arrive à prendre le match quand même. On attend son deuxième match. A-t-il remporté tranquillement son set à l'instar de son ami Joker, son ami Retroman, pardon. Oh, il a interrompu le Dunk Knuckle. Effectivement, ce coup. Et heureusement, ce coup n'a pas de propriété à mort. Tentative de Shimmy Jump. Gardé par le Joker derrière ce shop. Alors là, il a le couteau. Il faut faire attention. Pas rivaliser avec lui au niveau du neutral. Oh, il a quand même. Bien joué là. Allez, pas trop. Michi, activation V-Trigger. Oh! Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas interrompu le target combo par les V-Trigger? On se demande bien. Allez. Oh, assez de sauts du côté du Joker. Snap Knuckle. Mais si tu veux. Tu veux faire ça, fais avant! Oh! Ah oui, quoi ton cœur? Oh non, mais c'est n'importe quoi là. Oh! Il a quand même tapé, hein? Oh. Ah là là. Et Shimmy qui passe. Et une partout. dans la difficulté. Pourquoi pas. Ah non, trop de lag, trop de décalage. Les gars sont juste à côté, ils sont en train de jouer tranquillement. Pourquoi est-ce que ça calme comme ça? C'est pas normal ça. Oh. Ah là là. Voilà. 2-0. Et là, on a l'honneur qui va entrer. Face au Sensei. Je pense que cette fois, il va opter pour Cody. Là, juste pour vous dire qu'on est, ils sont juste à côté. J'arrive à voir l'écran. Malheureusement, on n'a pas les images aussi fluides que leur jeu. On vous rappelle que le Burkina Faso, c'est juste à côté. Du coup, on a une excellente connexion. Une excellente connectivité, pardon, entre les deux nations. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Pour moi, est-ce qu'on peut avoir un bon match et celui qui est dans le salon juste à côté voir ce match-là de façon entrecoupée. C'est bizarre. Le Sensei, logiquement, il doit assurer puisqu'il connaît Nash. Après, qu'est-ce qu'il connaît, pardon, Cody? Après, c'est pas le même game plan, pas la même stratégie.
Donc on va voir. Et le Cody de Lord Nox, c'est sa deuxième réapparition après la première journée où il avait fait une défaite face à Shaky versus Dante. Il a rangé ce Cody là pour nous sortir un excellent Alex lors du deuxième match. Et là c'est parti. Allez. Là pour le coup, j'ai besoin que c'est plus rapide. Allez. Et quand tu es revenu à la normale, on va dire Dieu merci. Allez, on va te les chopes, ça passe pas. Oh! Le mec il ne veut rien voir. Allez là. Très actif au niveau du neutral, notre ami Lord Nox. Ouais, suite pas, ils sont forts. Allez, bien joué. Oh, il est vrai. Là, on est reparti avec le décalage. Merci Capcom. Ça va vite parce qu'ils sont en train d'envoyer un message. Le prochain adversaire, on aimerait qu'on en finisse rapidement pour voir qui est-ce qu'il va affronter. Pour l'instant, il passe devant. Ils occupent la première place du groupe. Le groupe C. On qualifie directement pour le demi-finale. Oh là là. Oh là là, c'est décalage à me supporte en fait. J'ai mal à la tête même. Les gars sont en train de bien jouer, je comprends pas en fait. Ah, l'autre là, quand il ferme, il a fermé, hein. Sonic.
Voilà, et c'est terminé. 3-0. Cody wins. Voilà, 3-0 rapidement. Les gars sont détés à pas concéder du point. Et donc 3-0, nos amis de Leshmania sont encore menés. Voilà donc les amis, le temps de prendre récupérer le line-up dans le marque une légère pause. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, sachez que je suis 6-4-23 0, nos amis du Burkina Faso, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour, chose qu'on est dans le temps, 25, le temps de la pause, 7 minutes. Voilà, chose qu'on a fait un peu plus tôt, pour un peu plus vite, voilà, faut qu'on termine rapidement. On a les line-up, sont disponibles.
Le... Marabou Storm Sensei du côté de l'Eshmania et du côté de la team ivoire Lord Nog, Joker et Retroman. Allez, donc c'est parti avec Lord Nog qui va commencer. Peut-être que ça va nous porter chance, faut que rapidement les... Yes, round one. Fight! Tornado! Voilà, pour l'instant c'est plutôt proche. Allez, on est vraiment énervant. Ah, merci le damage, on est là. Oh. Ah non. Bonne chance pour qui? Ça va mal, hein? Ça a très mal commencé, très très mal débuté. Ah, le Joker sera face à Stormer encore. Mon dieu. Round 1. Fight! Voilà. Voilà. C'est parti pour le lag. Ah non, ah non. Hey! Tornado! Ah. 4-0.
Cody wins. Ouais, Storm est là, oui. On a le Joker face à Storm. Donc là, les Mania est en train de tomber, hein, là. Je pense qu'on n'y peut rien. Malheureusement, nos amis de Suicide Squad vont les respecter jusqu'au bout. Ça a dû jouer normalement, s'ils avaient des même calibre en face. Pour montrer la nation. Mania. Du bloc 9. Le Valium Team Clash. Va falloir aller chercher. Et... Round 1. Oui. Wow. Luke wins. Ça va vite, hein? Ça va assez vite, ça va même très vite. Round 1. Ah, il vient de se faire chop. Yeah.
Allez. Pourquoi pas. Round 2. Fight. Oh! C'est pas ça! Ah, quand même, hein! Oh là là! Et 2-0. Ça va ou quoi, my switch? On est arrivé là, je suis la fin. Il reste un seul match, un dernier match, Retroman. Face à Sensei. Et ça fait 5-0. Je pense qu'ils sont en train de faire le point, le maximum de. Le maximum possible. Voilà, il faut rester, c'est pas terminé. Ah non, tout le monde dit ça, je sais pas pourquoi. Ah d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors si tu dis que ma voix a changé, c'est que vraiment il y a un souci. Donc petit problème technique là du côté de l'Ashmania. On les attend pour le dernier match de la compétition. À nos amis l'Ashmania, ceux qui veulent le revoir, il va falloir revenir l'année prochaine. Et encore, il faut qu'ils se qualifient. Il faut qu'ils y arrivent à cette phase finale. Ah. Déjà cette année. À honorer dans visite bonne partie du continent avec cette compétition l'année prochaine. On vous annonce du lourd, même très lourd. Voilà, avec déjà le premier changement, une phase qualificative pour la phase finale. On retiendra que le bloc 9 de cette compétition, bloc 9, trois dernières équipes. Avec le point le moins important, on devra passer par une étape qualificative avant de rejoindre cette phase finale. Et là, du côté de Sensei, on a Counter Pick avec Sagat versus Mika. Oh! Je parle de la contre-pique. Ah, les pifs, pourquoi pas. Oui, mais il est derrière. Tiens, il a dressé le Wamashi là. Il est sorti comme ça de nulle part. Ouais, sûrement, sûrement, et même certainement. C'est le micro, on m'a dit.
Parce que ma voix n'a pas changé. Pas malade ou enrhumé ou grippé, rien de tout ça. Oh, rétrocalisé d'accélérer. Hein. Le temps que je prends la messe, c'est passé par 10 secondes que le round est déjà terminé. Ok. On a compris, boss. Et dès qu'il y a quelque chose, eux corrigent en même temps. Allez. Oh là là. Un zéro. Karim wins. Je pense que la carte est ça de Legacy Team. Ces deux équipes-là se sont quand même répondu un coup pour coup. Les mecs, ils ont fait 6-0, eux, ils viennent aussi, ils veulent faire 6-0. Et on a vu même dans la confrontation des deux équipes que c'était vraiment du coup pour coup jusqu'à la toute fin. Ah, là, il va falloir qu'ils descendent encore. Ah mais si tu as raté hein, tout à l'heure le match d'avant celui-là, on a vu la naissance ou que dis-je encore, excusez-moi du thème, on a vu le retour de Dark Sword, Seigneur Dark Sword. Ah ouais, le mec il avait annoncé sa retraite sur Street Fighter 5, il était passé à KOF 15, les choses ne se passent pas. Comme il espérait. Là il t'agissait un peu, il attendait ce Fighter 6. Et là, il revient. Oh là là, mais de quelle manière? De quelle façon? Lui seul, il décime une équipe. Oh là là. Ouais, Suicide Squad met tout le monde bien. Ils mettent la Côte d'Ivoire. Pour l'instant. En tout cas, après cette victoire, Suicide Squad sûr d'être qualifié directement pour le demi-finale de cette compétition. Et Suicide Squad sera posé soit à Shop Céleste, soit à Solid Moroccan Fighter pour le demi-finale. Parce que pour que cette affiche-là, une de ces deux affiches change, il faut simplement que l'équipe de DZ1 pète 6-0. Allez, flash. Il va enlever le truc. Allez, gauche contre. Oh là là. Oh. Attention là! Attention! Ah non! Ah non! Et là c'est terminé. 6-0. Voilà, comme on l'avait annoncé, comme on l'avait prédit.
Ouais, le bouillon, c'est terminé là. Et ainsi s'achève notre journée avec ces deux rencontres. Et donc la poule A vient de nous livrer son verdict. On a en tête, en première position, Suicide Squad de Côte d'Ivoire avec 7 points. On a l'équipe de Legacy avec 6 points, deuxième position. On a l'équipe ensuite d'Algérie, Team 9, avec 4 points. Et en fin de tableau, on a l'Echmania du Burkina Faso. Du Burkina Faso, 0 points. Donc, on vous rappelle que l'équipe de Suicide Squad est directement qualifiée en demi-finale. Et l'équipe de Legacy Team du Maroc est assurée d'être repêchée en tant que meilleur deuxième. De voir affronter soit l'équipe de... C'est compliqué, je vous le dis. Soit Solid Moroccan Fighters, soit Shop Celeste, soit qui encore Evolution Warriors. Ouais, je pense que c'est les trois probables adversaires de l'équipe de Legacy Team pour le quart de finale. Voilà, donc je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous le vendredi prochain à partir de 17h GMT pour suivre la poule B. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi le direct, c'est pour moi avec nous, n'oubliez pas de liker, voilà, de vous abonner au passage, et on se dit à vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao. Kumeu Hazrushimono.